Alors, comment se passent les vacances? Les vacances se passent très bien. Nous sommes ici à Benin, comme vous voyez là. Nous adorons parce que pendant les vacances, il est très bien de faire les balades en famille. Et nous aimons vraiment ça parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Pendant les classes, nous n'avons pas l'occasion de faire cette balade. Mais pendant les congés, les vacances, nous avons assez de temps pour faire tout ce genre de trucs. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde à côté de nous. C'est pour chaque famille avec leurs enfants. Et ils aiment vraiment ça. Par exemple, regardez sur ma petite soeur là. Ils sont venus faire une petite balade avec notre papa. Nous adorons vraiment ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me balade avec ma grande soeur, mon père et moi. On est à Bonanjo. On s'amuse. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Tous les bamouns. Attends, pourquoi tu dis qu'il y a que des bamouns? Hein? Pourquoi tu parles de bamouns? Parce que leurs odeurs sont sont nombreux. Leurs odeurs sont ici. On dit qu'on a un monument là. C'est un monument ici. Tu connais son histoire? Non. Tu connais son histoire? Non. Qu'est-ce qu'on a écrit? Oui, alors qu'est-ce qu'on a écrit là? La mémoire des militaires et marins français et Ali Khan. Comme au chambre meurt pendant la campagne du Cameroun. Ça veut dire quoi? Dans une mémoire des militaires qui parle de des alliés au tombe. On est où ici? À Bonanjo. On dit qu'on est à Bonanjo. On est à Bonanjo. Nous sommes à Bonanjo. Tu es venu faire quoi à Bonanjo? Je suis venu me balader. Les vacances se passent bien? Oui, oui. Donc, comment ta frère vit les vacances? Les vacances se passent bien. Allons maintenant dans la maison qui est là-bas. Allons maintenant dans la chute. Entrez, non? Alors, comment on l'appelle là? Vous êtes dans une hutte, c'est une hutte. Ouais, là nous sommes dans une hutte. Bon, maintenant il y avait Des pailles. Ouais. Il y avait. Là où nous avons trouvé les pailles avec les feux. Certains mamans venaient ici, faisaient des remèdes traditionnels qui passent beaucoup plus dans tout le Cameroun peut-être. Puis tout d'abord dans une foire appelée Abdupanda. Il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, chaque personne venait s'aligner, faisait une consultation sur tout ce qu'ils avaient besoin, pour tout ce dont ils avaient besoin, pour leur maladie. Pardon, ma fille, vous l'avez. C'est qui, Ange? Hein? C'est qui? C'est ma maman, la classe. Dans quelle école? T'es toute petite de maman. Tu connais pas? Oui. C'est qui pour toi? Mon ami. Allez. Vas-y. Marche, ma chérie.
Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi vous donner? On a dit la voiture. Comme vous voyez présentement, nous sommes venus pour laver la voiture et ensuite aller à Youpé. Maintenant nous avons beaucoup de monde. On se disait qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y a rien. C'est juste que, comme vous voyez, il y a plus de personnes autour de nous. Nous sommes venus faire le balade en famille et nous aussi nous sommes venus pour tout.